Dans le Journal de Montréal ce matin, des journalistes racontent leurs difficultés à obtenir de l'information. Le hic, c'est qu'on parle ici d'informations qui devraient être publiques. Des ministères, des organisations comme Hydro-Québec ou la Caisse de dépôt qui cacheraient de l'information aux journalistes et au public. Avec nous pour en parler, Jean-Louis Fortin, directeur du bureau d'enquête. Merci Jean-Louis d'être avec nous. Bonjour Marie-Lise. Avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux simplement nous expliquer comment ça fonctionne, les demandes d'accès à l'information, qui peut en faire, puis c'est quoi les délais? Tout le monde peut en faire, hein, des demandes d'accès. Souvent, on pense que c'est juste une bébelle de journalisme, mais pas du tout. Il y a seulement 2% des demandes en fait qui sont faites par les journalistes. Puis ce que ça permet d'avoir, c'est un accès à tous les documents des organismes publics. Puis ça, c'est prévu dans la loi. Hein. Les gens ont le droit de connaître certains renseignements, comment le gouvernement dépense l'argent public, comment le gouvernement prend certaines décisions. Un exemple très, très simple, l'usine de batterie Northvolt en Montérégie, les études qui ont été faites ou n'ont pas été faites avant de donner le feu vert au projet, c'est le genre d'information qui peut tout à fait être demandée, qui peut tout à fait être publique. Il y a un certain délai, 20 jours, 30 jours. Si c'était respecté, tout irait bien. Mais souvent, et c'est un des problèmes qu'on détaille ce matin dans le Journal de Montréal et le Journal de Québec, c'est que les délais, souvent, c'est beaucoup plus long que ça. On parle souvent d'années, là, 2 ans, 3 ans, 5 ans. Donc, c'est un processus, Marie-Lise, qui est assez laborieux. Puis, ce matin, on vous amène vraiment en coulisses là, du travail journalistique, tous les efforts. Puis, des fois, c'est un vrai chemin de croix que nos journalistes doivent franchir avant finalement d'avoir les réponses quand ils peuvent les obtenir. Et là, tu viens de parler des délais de retour, mais il y a d'autres enjeux aussi, là. Des fois, on ne divulgue pas l'information. Oui. Un exemple récent qu'on a eu, c'est le cas des vols de voitures. Hein. Puis on le sait, c'est un fléau partout au Québec. On a essayé de connaître les endroits précis où les vols avaient lieu. Donc, on sait que chaque fois qu'il y a un vol qui est rapporté, la police note clairement là, l'intersection, la rue, même des points GPS très, très précis. On voulait montrer aux citoyens quels sont les quartiers chauds. Puis, d'une ville à l'autre, on a eu des réponses tellement différentes. À Montréal, par exemple, c'est très, très transparent. La ville donne les coordonnées là, très, très précises des vols. Trois-Rivières aussi, ça a bien été. Par contre, à Québec, fin de non-recevoir, la ville a dit non, on ne partage pas ces informations-là. C'est des informations confidentielles. C'est une excuse qui est souvent très, très facile. On ne demandait pas des noms des propriétaires de véhicules volés, on ne demandait pas des numéros de plaque d'immatriculation. On voulait juste savoir des informations à propos de l'endroit où les vols ont lieu pour informer le public hein, dans quel quartier tu es le plus susceptible de te faire voler sa voiture. De ton véhicule de devant chez toi. Donc, on voit qu'il y a une très, très grande inconstance d'une ville à l'autre, d'un gouvernement à l'autre, d'un ministère à l'autre. Puis ça, bien, c'est une barrière à l'accès à l'information qui est assez importante. Puis ça peut être quoi les impacts en tant que société, mais aussi sur le public directement? Bien, c'est sûr que quand les gouvernements nous cachent des choses, à qui va notre argent? C'est difficile de faire un choix éclairé. Hein? On a eu, par exemple, pendant la pandémie, beaucoup de difficultés à avoir le nom d'entreprises qui avaient bénéficié de programmes de subventions spéciales. Mm-hmm. Puis ça devrait être tout simple. On ne demande pas des secrets industriels ici. Là. Des entreprises qui ont eu des millions, voire des dizaines de millions de dollars de fonds publics, puis on ne pouvait pas savoir c'était qui. Ça n'aide pas le gouvernement dans son... Si le gouvernement veut donner une impression de transparence, je pense que c'est pas idéal dans ce cas-ci. Puis ces informations, là, je le rappelle, la loi le prévoit. Les documents des organismes publics sont publics. On comprend qu'il y a des exceptions, mais je pense que comme société démocratique, on doit attendre mieux de la part de nos gouvernements. Puis c'est un peu ce qu'on voulait montrer ce matin avec le cahier de la compilation des pires exemples qu'ont vécu nos journalistes. Jean-Louis, ça fait plusieurs années que tu travailles dans le domaine. Rapidement, dernière question, est-ce que tu as vu qu'au fil des années, ça s'est dégradé, que le problème a empiré? Clairement. Maintenant, on peut nous refuser. On envoie simplement une fin de non-recevoir plutôt que de caviarder uniquement l'information qui serait sensible. Les délais, c'est pire que jamais là, au fédéral. Ma collègue Sarah Maud-Defebvre a eu le temps d'avoir 2 enfants. Sa plus vieille rentre en maternelle avant d'avoir une réponse. Imagine 6 ans avant que la GRC envoie une réponse. C'est pire que c'était. Puis on comprend qu'il y a des pénuries d'employés hein, dans certains ministères publics, certains corps de police, mais ça ne peut pas tout excuser.
Souvent, on a l'impression que c'est un dossier qui est un peu une patate chaude. Les gouvernements ne veulent pas vraiment s'en mêler. Le gouvernement Legault en est à son quatrième ministre responsable de l'accès à l'information en même pas 6 ans au pouvoir. Donc, c'est un dossier qui personne ne veut vraiment s'en occuper, le prendre au sérieux. Puis, il va falloir s'attaquer à ça là, si on veut améliorer les choses dans le futur. Oui, parce que ça a un impact direct aussi dans un sens plus large sur notre démocratie. Dossier super intéressant et hautement pertinent à consulter aujourd'hui dans le Journal de Montréal et sur toutes nos plateformes. Jean-Louis Fortin, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Merci, Marie-Lise. Bonne journée. Bonne journée.